toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en direct de Batibot ici à Bruxelles avec François de chez Smeg. Alors Smeg a une toute nouvelle gamme, on va maintenant présenter les nouveautés. Bonjour François, merci de nous recevoir. Bonjour Thomas. Explique-nous un petit peu les nouveautés parce qu'il y a des cuisinières colorées. Explique-nous un peu l'idée ici que vous avez voulu mettre en place. Pourquoi ces cuisinières colorées ? Alors, ces cuisinières sont colorées, pourquoi ? Parce qu'on voulait apporter de la couleur dans la cuisine équipée. Et donc, on a associé ces modèles au village Portofino. Portofino, qui est un village, si je ne me trompe pas, dans le nord de l'Italie, en Ligurie, et qui a cette particularité d'être un petit port coloré. Exactement. Alors, c'est un village typique où vous avez couleur, saveur et senteur, d'où cette liaison entre cuisinière et cuisine équipée. Combien de couleurs actuellement ? Donc là, je vois orange et jaune. Combien de couleurs vont être disponibles en fait actuellement ? Il y a combien de couleurs ? Alors, nous avons en coloris, vous avez du noir, du blanc, de l'inox, du gris métallisé, du rouge et du vert olive, tout à fait. Magnifique. Effectivement, ça donne un grand point lumineux dans le stand. C'est vraiment très, très réussi. On est donc ici sur 6 feux. 6 feux gaz, tout à fait. Grand four électrique multifonction. Avec également 3 turbines chaleur tournante. Ah oui, c'est même un four haut de gamme ici. Hein. C'est un four également haut de gamme, tout à fait. Avec un énorme volume, 115 litres en classe A+. C'est même unique, je pense, en classe A+, pour arriver donc sur un volume comme ça de 115 litres. Et viendra également fin mars des modèles avec four nettoyage par pyrolyse. En 90 cm ? En 90 cm, tout à fait. Oui, donc ça, vraiment une très très belle nouveauté pour 2017. Allons voir d'autres produits. Alors ici, une nouveauté, certains qui nous suivent déjà sur notre site de vente en ligne, certains produits existent déjà. Alors, vous êtes nombreux à les aimer, il faut quand même être tout à fait franc. François, explique-nous un peu, on est face à quoi ici ? Alors ici, c'est une gamme de petits électroménagers. Il faut savoir qu'on a démarré il y a quelques années avec des frigos look années 50, de coloris bleu, pastel, vert, vert d'eau. Un succès, hein ? Un grand succès, toujours et encore aujourd'hui. Et donc, l'idée a été de créer une gamme d'électroménagers pour permettre aux consommateurs d'égayer sa cuisine avec des appareils ressemblant à leur frigo. Donc on va avoir le grille-pain, deux petites tranches, une grande tranche, l'extracteur de jus, je vois ici la bouilloire, la machine à café, le blender, le presse-agrumes, donc vraiment une gamme complète. Alors une nouveauté, la gamme et la ligne de four Dolce Stil Novo. La gamme est de plus en plus élargie en Dolce Stil Novo. Nous avons fait bien sûr exprès, puisque de plus en plus on veut des appareils qui embellissent, puisque la cuisine équipée, c'est devenu le cœur de la maison. Et donc, on voulait associer ensemble 60, ensemble 45 et bien évidemment, Thomas, la gamme cave à vin que tout le monde rêve d'avoir, effectivement. Elle est push-pull en plus, donc c'est vraiment un design très épuré dans la cuisine équipée. Hein. Très, très épuré, avec également une accessibilité au niveau des contrôles de température par l'extérieur, ce qui te permet d'avoir 3 niveaux de placement pour tes bouteilles et un réglage tout à fait aisé par l'extérieur. Magnifique. Je vois quand on se retourne qu'il y a un magnifique frigo, on va aller le voir tout de suite. On nous empêche carrément de rentrer dans un enclos. On est dans le frigo années 50. C'est stupéfiant. Dis-moi un peu plus, François, sur ce frigo. C'est un frigo donc venant de Dolce & Gabbana qui est peint à la main. Donc ce sont des pièces uniques. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons voulu en présentation séparée par rapport au reste des produits années 50. Mais attends, il y a des clients vont nous demander ça en magasin. Il va être disponible, on va pouvoir l'avoir, il y a une série limitée. Est-ce que c'est juste pour le look ? Ce n'est pas que pour le look, on pourra l'avoir effectivement, mais sur commande, bien sûr, spécial. C'est fabriqué, il faut combien de temps ? Tu sais, il faut plusieurs semaines pour avoir ceci. Il faut bien évidemment plusieurs semaines. Il y a 3 modèles différents, 3, on va dire, sérigraphies différentes. Et donc, effectivement, ce sera sur commande spéciale. C'est vraiment un frigo extrêmement réussi. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. François, merci de ton accueil sur le stand. Félicitations pour toutes ces nouveautés. N'hésitez pas à partager cette vidéo, laisser des commentaires, liker YouTube, Facebook et Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci François. Bonsoir, à bientôt. Au revoir.